Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai deux petits chats. Alors, vous les avez peut-être déjà aperçus dans mes stories Instagram. Ou alors, vous les avez peut-être vus dans certaines de mes vidéos. Mais bon, là, il fallait vraiment avoir l'œil. Parce qu'on les aperçoit très rapidement sur quelques-unes d'entre elles seulement. Bon, par contre... Du coup, je vous présente officiellement Scampi. Voilà. Dis bonjour, Scampi. Non, il s'en fout. Et voici Seth. Tu dis bonjour, Seth? Non, s'en fout aussi. AKA les criminous. Vous comprendrez pourquoi à la suite de cette vidéo. Ce sont deux frères de la même portée. On les a adoptés avec ma copine en octobre 2022. Du coup, ça va bientôt faire un an et demi qu'on a les deux boules de poils à l'appart. Bon, comment vous parler de mes petits chats sans vous dire que je suis complètement gaga? Impossible! Alors oui, c'est vrai, on est tous plus ou moins gaga de ces animaux. Normal. Mais j'ai l'impression qu'être gaga, ça nous rend un peu... teubé. Je m'explique. Déjà, lorsque je parle à mes chats, je prends une petite voix de merde un peu bizarre. Oulo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 ulalala. Oula, mais il a claqué, lui. Ah, oulala. C'est pas du tout gang, ça, mon gars. Chelou, ouais, le type. Ils sont mignons, ces chats. Et puis, outre le fait de prendre cette petite voix, eh ben, je leur parle quand même. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur cette information? Pourquoi leur parler? Enfin, je veux dire, à quoi ça sert? Bah oui, il y aura pas de réponse derrière, enfin... je crois. Eh, gratte-moi un peu plus haut, un peu plus haut. Si, mère. Et gratte le cou, maintenant. Ok... Voilà, et gratte-moi les fesses, un peu. Quoi? Allez, fais pas ton timide, gratte-moi le huc, mec. D'accord. Oh, ça, je kiffe, ça. T'es un bon, chef. Je crois que je deviens complètement fou. Et après, tu vas me changer la litière. Scampi, la chier, ça pue. Alors, si cette situation vous est déjà arrivée, va falloir arrêter la consommation d'herbe à chat, hein. Voilà, immédiatement. Après, qui dit être gaga, dit donner du petit surnom. Logique. Donc, naturellement, Scampi s'est transformé en Scampinou. Ouais, j'étais sérieux, mec. Et Seth s'est transformé en Sethouné. Ah, il balance les blases comme ça. Et forcément, gaga comme je suis, je leur ai acheté des jouets. Mais bon, j'ai bien vu que ça servait pas à grand chose. Soit ils le défoncent et ils durent même pas une journée, soit ils se lassent super vite et au final ils finissent par jouer avec un morceau de carton ou un morceau de plastique. Ça, c'est leur jouet préféré. Me demandez pas pourquoi c'est un Rizlin, hein. Peut-être qu'ils étaient bricoleurs dans une autre vie. Mais en tout cas, ce petit truc, ça les rend complètement fous. Comparé aux jouets que je leur ai achetés... nul. Est-ce que vous savez surtout ce qui est nul? La litière. Mes chats, j'ai l'impression qu'ils ont à moitié compris le concept. Bon, déjà, ils vont dedans pour faire leurs besoins, c'est déjà pas mal. Mais par contre, ils ne recouvrent pas. Du coup, ça pue. Ah, mais pourtant, ils grattent, hein. Je les entends gratter et je crois que même les voisins les entendent gratter. Mais ils grattent la paroi en plastique. Ils grattent pas la litière. Ah, parce que c'était la litière au sol qu'il fallait gratter. Mais même en faisant ça, bah mes petits chats, ils arrivent quand même à mettre de la litière partout. Mais c'est que ça se colle aux patounes aussi. Bon, c'est vrai, j'ai tendance à dire que c'est mes petits chats. Alors que c'est plus vraiment des petits chats, hein. En plus, les deux là, ils commencent à avoir un petit bidou. Petit bidou. Mais attention, ils sont pas gros, hein, c'est normal. C'est pour que quand ils jouent tous les deux, ils puissent absorber les coups. Le premier qui commente que mes chats sont gros dans les commentaires, je le bloque direct. Ah non, mais je cherche pas à comprendre. Ils sont pas gros, ok? En début de vidéo, je vous ai dit que je les appelais les criminous. Alors je suis pas allé chercher ça bien loin, ça mélange de criminel et de minou. Criminous. Et croyez-moi, c'est un surnom qu'ils n'ont pas volé. Ah, les conneries, ça, ils en ont fait. Et ils en font toujours d'ailleurs, hein, mais ça, je crois que ça s'arrêtera pas. Bon, je ne sais pas lequel des deux, donc on va dire les deux, mais ils ont un problème avec les câbles. Je vous jure qu'ils se prennent pour des lapins. Ils m'ont littéralement bouffé des câbles. Putain de rongeurs. Mon câble de ring light, foutu, j'étais obligé de le réparer 3 fois. Et ils ont même bouffé le câble de mon casque. Mais là, c'était le câble de trop. J'y crois pas, ils ont bouffé mon casque. Oh putain, cette fois ils vont m'entendre. Ah bah vous êtes là, hein. C'est qui a fait ça? Hein, c'est qui? Bon, c'est pas bien. C'est une bêtise, ok? C'est... vous êtes trop mignons. Oui, bon, j'arrive pas à les engueuler bien longtemps. Ils sont si mignons. Ah oui, et je vous ai pas dit. Mais forcément, le sapin de Noël, bah il a pas fait long feu. Encore un coup de ces criminaux. Les chats, c'est quand même des animaux de compagnie assez particuliers. C'est un peu eux quand même qui font leur propre loi. Tu les appelles, ils s'en tapent, ils dorment une bonne partie de la journée, et les câlins, c'est quand eux l'ont décidé. Limite, c'est pas eux qui habitent chez nous, mais nous qui habitons chez eux. Enfin bon, ça, c'est ce que je croyais. Parce que les miens, ils sont tout l'inverse. Enfin, plus l'un que l'autre sur certaines choses. Déjà, Scampi, il me suit partout. Quand je les appelle, ils viennent, parfois même, ils me répondent, et le clou du spectacle, quand je lui lance son jouet, il me le ramène. Ah mais je crois qu'on s'est fait avoir. On n'a pas du tout adopté des chats avec ma copine. On a adopté des chiens bouffeurs de câbles. Bon, je vous rassure, ça reste quand même des chats. Déjà, parce que ça se voit, perspicace le gamin. Il dort bien la moitié de la journée. Oh, je suis fatigué. Et surtout, les deux petits minous, ils s'en tapent des règles. Oh, tu te tamponnes. Par exemple, truc tout simple. Ils n'ont pas le droit de monter sur la table. Je les aime bien, hein, mais j'ai pas envie de trouver des poils dans mon assiette. Donc forcément, depuis qu'on les a tout petits, on les interdit de monter sur la table. Mais bon, comme ce sont des chats, bah...
On monte sur la table? Non, on n'a pas le droit. Mais on s'en tape, c'est vrai, on est des chats. Ah mais ils s'en battent les couilles, hein. Alors qu'ils en ont même plus. Parce qu'ils le savent, hein, qu'ils ont pas le droit, ça ils l'ont compris. Hein. Mais dès qu'on a le dos tourné ou qu'on fait pas attention, ils en profitent quand même pour monter sur la table. Satané criminaux. Bon, malgré tout ça, ça reste mes petits minous. Et des fois, faut dire qu'ils me font aussi bien rire. Comme tous les chats, ils adorent les cartons. Bah là, je suis bien. Et je sais pas pourquoi, mais Seth adore me monter sur le dos. Si vous voulez voir plus de criminous, allez me follow sur Insta, je mets des stories d'eux de temps en temps. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Salut!